aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Il pleut un petit peu là, ça commence. Dommage, alors que je viens de me faire un brushing, mais c'est pas grave. Et ouais, du coup, la grosse journée, j'espère que je vais quand même réussir à vous vlogger un peu. Client ce matin, client début d'après-midi, ami après, jusqu'à ce soir. Ouais, bonne journée. Après, c'est bien, il y a du pro, il y a du perso, il y a du cool, il y a du boulot. Voilà, donc au moins, c'est une journée variée, ça c'est sûr. Et après, c'est vacances. Enfin, du moins, on va essayer au maximum. Demain, ça c'est sûr, vu que demain c'est ma journée d'anniversaire. Donc, ça, au moins cette journée-là, je ne fais rien. Après les autres, je verrai. Je ferai en fonction de mes envies, principalement. Mais demain, c'est sûr que je ne fais rien. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on met le dernier petit coup de collier. Et puis après, on se lâche la grappe pendant une semaine. Bon, bah on se retrouve, il est 19h49, je vous retrouve dans ma voiture. J'avais prévu de au moins vous vlogger entre chaque rendez-vous, je pensais faire un vlog un peu voiture, alors ça en sera un. Mais je pensais vous parler bien plus que ça, finalement ce n'est pas le cas. Là je suis en train de repartir de chez mon ami du coup. J'ai été chez un client ce matin, j'ai enchaîné tout de suite avec un autre rendez-vous, j'ai juste mangé un sandwich sur le pouce. Après, je suis allée chercher un goûter, je suis directement partie chez mon ami et là, je pars tout juste. Donc, autant dire que ça a été une sacrée journée. Je suis éreintée, contente parce que j'ai allié l'utile à l'agréable. Du coup, le client que je pensais peut-être décrocher aujourd'hui, ce sera pas un client. Enfin, ça en sera peut-être un, mais pas un client régulier comme je pensais. Ça m'étonnerait parce que ça vaut peut-être pas forcément le coup pour le client. Voilà, moi, je suis quelqu'un... quand je sens que ça va pas être bénéfique pour le client de travailler forcément avec moi en fonction de ce qu'il veut faire, je suis pas quelqu'un qui essaie quand même de gratter les choses. Moi la première, je leur ai dit écoutez, moi à mon avis ça va pas vous apporter ce que vous cherchez, mais par contre voilà, on a réfléchi à d'autres possibilités de pouvoir quand même travailler un peu ensemble. Donc à voir si on recontacte par la suite, mais ce serait quand même super cool. Et puis voilà, mais dans tous les cas je suis contente. Dans tous les cas j'ai quand même le nombre de clients qu'il me faut pour l'instant. J'ai largement la bonne dose de travail. Comme vous voyez, j'en viens même à avoir du mal à vous vloguer alors que je suis occupée. C'est pas comme avant où je procrastinais et que j'aurais pu vous trouver des choses à filmer. Là c'est que vraiment je suis occupée. Donc voilà, là je rentre chez moi, d'habitude c'est une route où je prends toujours le GPS parce que ça me fait toujours passer par 10 millions d'endroits différents. Là je suis dans des espèces de plaines, collines avec des petites routes un peu de campagne à peine goudronnées. Et du coup je sais pas trop où je vais, je pense que je vais vous filmer un petit plan là, avec le soleil qui se couche. Et puis on va rentrer gentiment à la maison. Du coup il est 8h et j'ai pas monté le vlog qui doit sortir ce soir. Je vous avais prévenu hein, déjà dans celui d'hier. Et puis je vais m'en occuper dès que je rentre. Et puis voilà. Là ça y est, il recommence à pleuvoir. J'ai reçu mes caisses Amazon. C'est un voisin qui me les a réceptionnées. Apparemment le livreur dit ça fait 3 fois que je viens, personne répond, je vais arrêter de venir livrer. Alors que les caisses, je crois que je les ai commandées avant-hier, si je dis pas de bêtises. Donc au pire, il a déjà sonné une fois hier, mais c'est tout. Et puis Amazon sont quand même les champions pour me laisser les colis devant la porte alors que j'ai dit qu'il fallait pas le faire. Et là, comme par hasard, on veut pas me laisser le colis devant la porte. Et puis on dit que c'est sûrement pas le bon numéro de téléphone parce qu'on a essayé de me joindre. Désolée, moi j'ai pas eu d'appel, hein, j'ai rien eu. Donc c'est pas possible, c'est pas moi. Donc bref, voilà. On va se rentrer et je vous reprends une fois que je suis à ma maison. Bon bah ça y est, il est 8h30, je viens de rentrer, mon voisin m'a apporté mon colis donc ça c'est chouette. Là je viens de mettre les rushs du vlog sur l'ordinateur, je m'apprête à commencer le montage. Je suis explosée, là j'ai qu'une envie, c'est me mettre en pyjama et ne rien faire. Regarder des vidéos stupides sur internet et ne plus rien faire d'autre. Mais allez, faut au moins que je m'occupe du vlog, de toute façon il est archi court celui-là, donc ça va être rapide. Je viens de finir de monter le vlog, bah finalement j'ai réussi à faire un vlog de 9 minutes 15.
En blablatant, donc on y arrive. Là aujourd'hui je vais pas y arriver parce que là clairement je suis fatiguée, j'ai envie de me poser. Je crois même d'ailleurs que je vais arrêter le vlog maintenant. Parce que c'est. Si je vous prends juste maintenant pour vous dire dans 2 heures c'est bon j'arrête, passez une bonne nuit, autant le faire tout de suite. Bref, du coup je suis désolée pour ce mini vlog, mais voilà, c'est passé comme ça. Mais par contre on a fait plein de choses cool et ça c'est cool quand même. C'est juste que j'ai pas pu vous le montrer malheureusement. Bref, sur ce, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.